Salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Tic-tac. Les aventuriers. Toujours en Thaïlande. Actuellement à Chiang Rai. Oui, mais alors, plus pour très longtemps. Non, non, non. Nous sommes, j'ai pas ma Météo. Montre, le 8 mai, 7h17, c'est écrit 22 degrés sur mon téléphone. Je crois pas, non. C'est plus 26, 27. Il fait pas trop chaud ce matin. Non, il fait bon là. C'est mais vu qu'il a plu hier, il fait bon. Et on se retrouve pour notre 7e vidéo ici donc en Thaïlande, partie numéro 2, parce qu'on avait déjà fait une partie number 1 il y a un mois et demi. Voilà. On va prendre le petit déjeuner ce matin à l'hôtel, l'hôtel qui est le Mora Boutique ici à Chiang Rai. Donc c'est 500 bahts pour nous deux pour ce petit déjeuner, voilà. Moitié à la carte, moitié buffet. Si vous voulez voir le room tour de cet hôtel, n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos précédentes. Et après, on vous emmène dans cette journée. Mouvement, avion, ah oui, nous allons à la plage. Vamos à la direction plage. La plage. Je serai contente, ça se voit je crois. Direction l'aéroport, le petit déj était vraiment parfait. Ah, c'était pas mal du tout, mais ça y est, on s'en va du nord de la Thaïlande. Et ouais. Ils nous ont offert, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Des petits porte-monnaies. Ouais. Trop gentil. Ranger nos sous. Oui. On n'a pas oublié les parents, ils sont là, hein. Ça non, va non, les parents. C'est bon, on est là. C'est bon. Et on va où là les parents? À Phuket. Et ils suivent, yes. Oh là là. Donc direction l'aéroport. Oui, attention, traversée. Alors, il nous fallait le prix de ce attention, vol. Traversée, c'est pas sûr. Alors, ce vol nous coûte donc 80 euros par personne, mais sans bagages en soute. Vous avez aussi la possibilité, donc, traversée, passage. D'y aller en bus. Okay, okay. Et ça, yes, yes. Traversée. J'ai traversé 15 fois. En bus pour 45 euros par personne et ça pour 29 heures de voyage. Sympa. Donc, on a choisi la solution 2 heures confort. D'avion, confortable. Ça va les parents, vous prenez un volet? Oui, oui, oui. toujours positif. On va où? Toujours au même endroit, Mel. T'as déjà demandé dans la voiture. Ils ont pas oublié quand même. Non, mais on est quand même bien dans l'avion pour direction Phuket. C'est le pôle Nord ici, ils ont mis la clim à moins 10 000. Il fait au moins, moins 8 000. Le vol s'est très bien passé, ouais, impeccable. Turbulence, nickel. Parfait. Il est maintenant déjà 13h15. Mm-hmm. Donc là, objectif, c'est prendre un taxi parce qu'on va direction Patong, mais on n'y reste pas. Non, on va juste récupérer la Jeep. Yes. Eh ouais. Ouais, et on n'a pas mangé, je pense qu'on ne mangera pas tout de suite. Faut qu'on trouve pour manger aussi. Ouais, comme d'hab, quoi. Yeah. Yes, yes. Patong. Patonga. Bon, Mel, du coup, combien pour ce taxi? Eh bien, c'est pas forcément donné. Ça nous coûte 820 pour rejoindre donc Patong. Sachant qu'il y a aussi la solution bus, si vous avez envie. Ouais. Et minibus. Et minibus. Les tarifs sont un peu moins chers. Faut compter entre Patong, j'ai vu 150 par personne. Ouais. Donc finalement, on paye 50 de plus en prenant un taxi. Ouais. Le confort, la rapidité. Voilà, c'est la ça. Simplicité. Ouais. Simplicité. Bon allez, direction Patong. You put me to your ear and I'll whisper. What today I just can't say. Then you throw me back into the water. And
ça change d'ambiance. Après 1h20 de route, c'était assez long. Nous voilà arrivés, il est maintenant 14h48. On attend la Jeep, elle nous a donné rendez-vous là. Désolé pour le bruit. Hein. Elle nous a donné rendez-vous là, donc on va voir. Ouais, et on va la louer normalement pour une durée de 19 jours. Ouais. On vous dira le prix. Ouais, on vous dit tout ça, on vous montre tout ça. Et nous voilà dans la Jeep, ça y est, nous l'avons récupérée. Et ça, donc pour une durée de 19 jours, on paye 1200 bahts donc, par jour. Mais vu qu'on est deux couples, l'avantage c'est qu'on met 600 pour avoir la liberté, pour éviter aussi le scooter. Comme ça, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On est libre, plus de taxi. Donc là, en fait, on part pour 19 jours de trip. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mis à part la première destination, nous allons à Kamala, qui est donc sur l'île de Phuket. Voilà, et c'est Ben notre conducteur. N'oubliez pas d'avoir le permis international également avec vous. Je sais que maintenant c'est très long à l'avoir, donc faites les demandes à l'avance. Et nous avons laissé une caution de 200 €. Et ça paraît vraiment très sympa. Si tout se passe bien, on vous mettra les coordonnées du loueur. Sachant que là, on est hors période touristique, donc on paye moins cher. Il nous l'a proposé à 1005, on l'a négocié à 1002 la journée. Et sinon, c'est beaucoup plus cher, hein, bien évidemment. Quand de, c'est 2005, c'était 2005 quand on était venu là. Ouais, 2005. Et là, donc on l'a à 1002. Donc décembre VS mai. Et bah c'est parti, on n'a pas d'hôtel, on va essayer d'en trouver un, bien évidemment. Bah, c'est mieux. Nouvelles aventures avec les parents. Et toujours mon petit Ben. And forget you ever lost me. Push me out to sea, baby. It's the best thing for us both. I'll be happy out there, baby. Fish below and stars above. Voilà la Jeep Jeep Jeep, à quoi elle ressemble quand même, bah oui. Elle est pas belle cette Jeep, regarde. Magnifique, hein. La Jeep qui est belle, c'est moi qui ai l'air. Vous voyez l'intérieur, c'est voilà, on a c'est le truc pour le téléphone automatique, c'est top. Et cette fois-ci, on a une capote. Oui, on a de quoi se couvrir quand il pleut. Se protéger dans toujours, tous les cas. Toujours, même en Jeep. Voilà. Et on a trouvé notre hôtel. Oui, ici. Wabi Sabi, on va donc aller découvrir la chambre. On vous prend avec nous. Alors, Mel, cette chaleur, cette chambre, bah écoute, elle sera très bien, elle fera l'affaire pour une nuit. Elle fera le job, hein. On ça, voulait pas clair. S'embêter vraiment. Là, on a pris un peu le premier, on s'est dit on va regarder un peu les prix à l'avance. Nous payons 1400 bahts pour cette nuit, petit déjeuner inclus, piscine et mer à 150 mètres. 150 mètres. C'est ça. On enfile un maillot de bain et on va où? Manger. Non, à la mer. Et manger peut-être. S'est installé c'est à ce petit maison. Restaurant. Non, c'est plus. Attendez, je vous reprends par là. C'est pas la plage. C'est pas encore la plage, mais il fait faim là. Là, il faut manger parce qu'on est parti ce matin assez tôt. Et effectivement, mais au moins on a tout fait, la Jeep, l'hôtel, on est bien. Oui. Prêt à partir en vadrouille, quoi. Trop bien. Vraiment excité de faire ce trip en Jeep. Ça va être l'aventure. C'est clair. On sait pas où on va. Il y a des petites idées quand même. Oui, on a une idée. Vaguement, on va dire, il y a rien qui est prévu. Et qu'en fait, rien n'est prévu. Tout est possible. Tout est prévu. Allez, c'est parti. Santé. On vous montre les plats quand ils arrivent. Carottes. Ça sent bon jusqu'ici. Je disais, c'est mes green curry que je préfère parce qu'en fait, il y a vraiment tous les légumes là. Il y a brocoli, chou-fleur, aubergine. Voilà, il y a totalement. Des carottes. C'est vraiment tout ce juste que ton j'aime. Riz. Alors moi, j'ai pris, hein, comme d'hab, le petit riz avec l'œuf. Kikri, il a pris la même chose. Alors en fait, le green curry chicken, il a 150. Le riz, il est à 20. Vous avez envie que je goûte, hein? Bah ouais, forcément. Moi aussi, je goûte. Et toi, Jojo, que du riz? Mais ça va venir, c'est un curry pepper, moi. Chicken.
Très bon. Ouais, bon. Je vais me régaler. Bon, bah, nickel. Et moi j'attends mon panneau. C'est mon œuf. On va se régaler. Ça a l'air pas mal ce petit garlic, Jojo, la photo. Bah oui, important la photo. Oui, il y a la photo. Je l'ai au nez, ça sent super bon. Hein. Mais ça sent jusqu'ici. Ah ouais, ils sont. C'est quoi ton prix, maman ? 130. Avec 130. Le riz. Non, sans le riz. Sans le riz. Le riz, 20. L'œuf, 20. Voilà. Donc toi, ça fait 170, hein, tu l'as dit. Ouais, j'ai. Et puis moi, bah, j'ai toujours rien. Après, voilà. J'ai quoi les poubelles. Ça va, t'as du riz, un œuf, Ben. C'est ce que tu préfères, les œufs. J'aurais pu te filmer, Ben, tu sais. Et pour moi, ça sera un panangue. Bah oui. Moi aussi, Ben. Ça a l'air super bon. Regardez-moi ça. T'as pas envie. Tous les plats de Noël, délicieux. C'est bon, Ben. Délicieux, comme je les aime. C'est vrai. Ouais. Et bah écoute, trop, trop bon. Nous recommandons. On t'a réveillé. C'est vrai. Il est piment, ouais. Ah bah attends, t'as bien dit. Il y avait trois piments dessinés dessus, hein. Ouais, il y avait peut-être. Bon allez, bon appétit, à plus tard. Et bon, on est bien là. Hein. Je pense qu'ici on peut avoir vraiment un beau coucher de soleil. Bon, le repas c'était une pépite, hein. Délicieux. Hein. Et pour le prix, franchement, c'était combien en tout, Mel? Pour nous quatre, ça nous a coûté 870 même. 870 pour 4 personnes. Boissons incluses, alors de l'eau et du coca. Mais franchement, top. Là, on va passer la plage de Kamala, celle-là. La plage de Kamala. On a fait simple, la Kamala, ouais, plage bam. De Kamala. Et on est Kamala. Depuis l'hôtel, allez, on est à 10 minutes à pied, quoi. Mmh. Un truc dans le genre. Franchement, c'est top. J'adore. Sunset à la plage, vraiment, ça fait plaisir. Il est vraiment magnifique. Bon, j'ai perdu Ben, il est parti faire une petite partie de beach volley, il s'éclate. Mais vraiment, c'est incroyable. Avec les lueurs du soleil qui tombent, mais c'est un spectacle, mais majestueux. Bref, je suis trop contente d'être là. Bah alors Ben, où vas-tu comme ça? Ah, il fait nuit, hein. Je sais pas si on va me voir. Hein. Si, on te voit très bien. Sympa ce petit volet le soir sur la plage. Et ce sunset, Ben, alors? Magnifique. As-tu les mouffes? Qu'est-ce que ça nous manquait, ça, ces sunsets là? C'est vrai qu'en ville, on n'a pas ça. C'est majestueux. Comme je disais, c'est magnifique. Comment dire? C'est une fin de vidéo en position horizontale. On a des têtes de crever. Mais en fait, on est mort là. Ouais. Avec l'avion le matin, la chaleur, le truc, le coucher de soleil, c'était génial. Donc tu décales les transports, c'est toujours fatigant les journées de transport. Ouais, clairement. Moi j'ai l'impression qu'il y a 2 journées dans la journée. Ah mais je crois qu'il y en a eu même 3 maintenant. Je suis réveillée à 5h30. Je me plains pas. Si je me plains. Mais je me plains avec le sourire. En tout cas, très content d'être arrivé ici et de pouvoir partir un peu à l'aventure avec la Jeep un peu plus libre hein, des mouvements. Ouais, ça va être mais génial. Déjà la première impression, trop cool. Ouais, génial, le coucher de soleil et tout, magnifique. Et habituellement, c'est vrai que nous, on est plutôt vraiment plage. Et cette année, là, le voyage de 3 mois, on a fait quand même pas mal de villes, de terres. Et c'est vrai que la ville, au bout d'un moment... C'était super. Mais oui. Là, j'avoue que terminer à la plage,
ça nous va. Bon, on va pas se faire dans les 3 semaines à la plage, ce qui est quand même énorme. C'est clair. Et les voyages ne sont pas finis parce que le prochain est déjà réservé. Oh oui, en septembre. On ne vous dira pas où est-ce que c'est. Bah voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À mettre des petits pouces si ça vous a plu. Puis même si ça vous a moyennement plu, vous pouvez quand même mettre un petit pouce. Mais quoi. En l'air, parce qu'il peut mettre les pouces en bas sinon. Oui, c'est mieux, ouais. Et on se retrouve. Des commentaires si vous voulez aussi. Ouais, et on se retrouve plaisir. Très prochainement pour de nouvelles aventures. Toujours en Thaïlande. Bye bye, les loulous. And you'll be happy.